6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. La chronique du développement durable, ce mercredi 18 septembre, avec vous, Hamid Abdelkassem, bonjour. Hakim Bey, bonjour. L'environnement, l'économie qui ne font pas forcément bon ménage, l'un pousse à la préservation, entre autres, des ressources et l'autre à la consommation. Or, consommer, c'est souvent faute de recyclage polluer. Oui, l'économie mondiale est coincée dans un système linéaire extraire, fabriquer, consommer, jeter. Ce système extraire, fabriquer, consommer, ensuite jeter, fait que chaque année, environ 250 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Plus de 10% se retrouvent dans l'eau, faute de filières de traitement. Or, leur durée de vie peut atteindre 1000 ans ou, sous, si vous préférez, 10 siècles. Et les plastiques biodégradables ne représentent que moins de 1% de la production. Mondiale. Et toute la question, Hamid, comment sortir de ce cercle vicieux Dans le cercle, on retrouve un modèle économique, écologique, local et sociétal. Il commence à faire parler de lui et tente de s'imposer, c'est l'économie circulaire. Objectif, produire des biens et des ressources, mais, mais en limitant la transformation et le gaspillage des matières premières, des ressources d'énergie non renouvelables et en transformant les déchets en matières premières, secondaires, en réfléchissant à l'éco-conception des produits et en prévoyant leur réutilisation possible. On peut donc affirmer que l'économie circulaire s'inspire en partie d'Antoine Laurent de Lavoisier ⁇ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ⁇ Tout à fait, l'économie circulaire est opposée à l'économie du gaspillage. L'économie circulaire utilise un déchet comme ressources pour produire un autre produit. L'économie circulaire est donc un modèle économique qui a pour objectif un développement durable et exige une gestion plus économe des ressources. L'économie circulaire pousse à la mise au point de solutions technologiquement nouvelles aptes à consommer moins de ressources naturelles pour introduire des richesses économiques. Enfin, l'économie circulaire est donc une réponse à l'extinction des ressources naturelles qui ne sont pas toutes renouvelables, mais finies. Alors, un exemple, l'application de l'économie circulaire chez nous. Bah, puisque le préambule qui fait partie intégrante de la constitution algérienne stipule, je cite, le peuple algérien. S'attelle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d'un développement durable. Le peuple demeure également préoccupé par la dégradation de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, ainsi que leur préservation au profit des générations futures. Fin de citation. Donc, voici la proposition du jour prélever de dollars. Prélever 2 dollars sur chaque unité d'hydrocarbures produite en Algérie et injecter un dollar pour booster l'énergie solaire, puis injecter un deuxième dollar dans la recherche-développement afin de trouver une solution idoine pour exploiter convenablement les hydrocarbures non conventionnels au profit des générations futures, donc conformément à la Constitution. Bonne journée. Merci, bonne journée, Hamid Bursan.